Chet Peterson, de l'ambassade américaine à Patna. J'appelle suite à votre demande de visa touristique pour l'Inde, avec une extension pour le Kirat. Nous pouvons uniquement accepter votre statut de citoyen américain sans document officiel prouvant votre nationalité kirati. Par ailleurs, je dois vous déconseiller d'envisager un séjour au Kirat. Nous n'avons aucune présence diplomatique au Kirat à cause de la guerre civile et des activités terroristes du Sentier d'Or. Concernant votre intention d'emporter les restes incinérés d'une certaine Ishwari Kaili, vous devez munir du passeport de départ de l'Occident. Hé ! Passeport. Respire. Laisse-moi parler, ok? Passeport. Est-ce que tu entends la même chose? Mais ça a dégénéré. Pardon, j'ai mal entendu. Tu disais? Ça a dégénéré. Dégénéré? Je déteste quand les choses dégénèrent. Oh! Vous aviez un truc à faire, mais même ça, c'est trop demandé! C'était une opération toute simple. Mais donne à bouffer aux singes. Ils se jetteront leur merde à la gueule. Oh, tu veux bien me dire ça? Une petite seconde, je voudrais faire une petite photo. On regarde bien l'objectif et voilà. Génial. T'inquiète de rien, mon bonhomme. Ce sera bientôt oublié. Et nous allons vivre une très grande aventure.
voiture. Parce que j'ai dégagé mon agenda. Toi, moi, on va tout déchirer. Should I stay or should I go? Et toutes mes félicitations à Ashley quand tu seras chez toi. Honnêtement, Paul, je dois bien dire que ton petit coin de Kirat est vraiment superbe. Je m'attendais à plus de chaînes, de râles. Mais je te connais, je sais parfaitement que tu as une pièce obscure où les secrets coulent comme le sang. Ah, ce sourire narquois te trahit encore de pleurs. Eh bien, retire-lui ce putain de sac de la tête. Vraiment, je suis navré pour ce qui s'est passé tout à l'heure, tu vois. C'est plus ça que j'imaginais. Bien, allons, présentons-nous. LJ Gale, notre invité d'honneur. Paul, notre hôte bien-aimé. Le petit macaque, dont le nom m'échappe toujours. Et moi, bien sûr, Paganmin. Tu ne te souviens pas de moi, alors? Ta mère, elle ne te parlait jamais de moi, même en passant. On changera ça. Paul, j'ai besoin de cash. Combien il faut? Tout ce que t'as. Merci. Ah, voilà. Très bien. Et comme ça, en souriant. C'est vous? C'est moi. Je commence parfois à en douter. Quant à ta mère est de son côté. Elle me comprenait. Elle me connaissait mieux que personne ne le fera jamais. Que de souvenirs. Je n'ai pas revu Ishwari depuis plus de 10 ans. Elle m'a dit qu'elle m'aimait. Les femmes savent faire ça. Elles peuvent te dire qu'elles t'aiment sur le moment, et c'est sincère, mais les hommes ne font pas ça, non? Non, les hommes ne peuvent aimer qu'avec du recul. Une fois qu'il est trop tard. Donc, quand ta mère a décidé de fuir aux États-Unis en t'emmenant avec elle, oh, je m'en suis amèrement mordu les doigts. Et j'ai ouvert les yeux. C'est pas moi. Non. C'est ce putain de sentinelle. Ces putains de terroristes. Ils dégueulassent tout. Même à table. On ne t'a jamais dit de ne pas téléphoner pendant le dîner? Voyons ça. Le téléphone. Alors, les gars, on fouille même plus les invités. Ah, je suis avec LJ Gale. La suite est mieux. À l'aide. Un SMS pour à l'aide. On n'écrit pas à l'aide, il faut le crier. Allez, tiens, on va essayer ensemble. Si tu dois faire quelque chose, fais-le bien, c'est parti. Allez, crie à l'aide. Crie à l'aide. À l'aide. Oh, c'est mine. Non, crie à l'aide. Je veux de l'intention. À l'aide. Viens du diaphragme. À l'aide. Chut, 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 chut. Attends, écoute. Rien. Je crois que tes amis viendront pas t'aider, mon pauvre. Oh. Fais-lui dire ce qu'il sait. Les terroristes, hein? Bon. Allez, ne bouge pas. Mange tes raviolis au crabe. Reste là, je reviens tout de suite. Yuma, il faut qu'on parle. Hello tout le monde, c'est Parandar, on se retrouve aujourd'hui pour mon tout nouveau let's play sur Far Cry 4. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et donc ça faisait extrêmement longtemps que j'avais envie de vous le faire, et ça me fait extrêmement plaisir de vous le faire. Ça fait super longtemps que j'attends ce jeu, et je ne suis vraiment pas déçu, donc je vous le fais le lendemain de sa sortie. J'ai pas eu le temps de vous le faire. Ouais, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas eu le temps de vous le faire lors de sa sortie, donc je suis désolé. Mais voilà, donc vous l'avez le lendemain, je suis un des premiers français à le faire, je suis extrêmement content. Et donc voilà, donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Ah, ça brille là, donc on peut récupérer.
drapeau américain. Putain. Donc j'espère que vous allez bien. Donc ça me fait extrêmement plaisir de vous faire ce let's play. Donc mémo de l'AR. Sentier d'or en progression. Nous constatons depuis peu une résurgence des activités du sentier d'or aux alentours de Banapur. Donc le sentier d'or c'est les terroristes après ce qu'il a dit. Nous avons accru notre présence dans toutes les stations à la frontière sud suite à l'interception de cargaisons d'armes et de provisions, probablement détournées au profit du sentier d'or. Tous les convois et patrouilles doivent redoubler de vigilance et surveiller les mouvements terroristes. Serge Mishra. Ok. Donc, les terroristes sont méchants. Mais, et Pagan Min est mon père. C'est vraiment un... Enfin, c'est... Je m'y attendais pas du tout. Ça chauffe en bas, ça chauffe. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Oncle John, salut papa, la prochaine fois que tu repasses à la maison, il faut vraiment que tu repars l'eau chaude. Tu sais, je n'aime pas l'oncle John et maman le fait venir tout le temps pour travailler dans le sous-sol quand tu pars. Sauf que l'eau est toujours aussi froide. Après 5 minutes, sous la douche, il est vraiment nul. PS, je pense à me rapporter un cadeau sympa. Je t'aime, Ashley qui t'envoie plein de poutous. Ok, donc Ashley, c'est la fille de je sais plus qui, de je sais pas qui, donc... Ah, lire. Mémo de l'AR, diffusion depuis le clocher. Nous avons récemment eu un vent de tentative de sabotage des émissions depuis le clocher à l'extérieur de Banapur. Nous allons poster des gardes au clocher jusqu'à ce que l'ordre... Il est impératif que le message de notre chef suprême soit partagé avec tout Kirat. Que la lumière de Pagan vous inonde. Mystère des affaires publiques, ok. Donc oui, je vous ferai pas des vidéos très très longues, mais je vous en ferai 3 par semaine. Oui, 3 par semaine, donc c'est relativement beaucoup par rapport à ce que j'ai envie de faire. Ah oui. Mais bon, c'est pas très long à tourner, donc ça va. Qu'est-ce qui se passe? Oh, merde. Ouais. On reprend depuis le début parce que je veux être sûr que tu comprennes bien ce que j'attends de toi. Je sais pas ce qu'il lui fait, mais ça n'a pas l'air de faire du bien. Pourquoi toi, tu es là? Ah oui, c'est la chaise électrique, mais avec un matelas. Tu es du sentier d'or, un terroriste, un méchant. Moi, je suis le gentil, ce qui veut dire que je ne veux pas faire de mal. Je veux seulement t'écouter. Tu sais, les gens disent que je sais très bien t'écouter. Donc dis-moi juste où sont tes amis. Ah, Paul, c'est celui qui était à table avec nous. Ok. Aïe. Respire. Allez, on sait très bien que vous nous espionnez. Alors, qu'est-ce que tu fais avec AJ Gale? C'est moi. Pourquoi le sentier d'or s'intéresse à lui? Désolé, salut chérie. Oh écoute, je peux pas te parler, je suis en réunion. Ah oh, oui, tu sais, j'ai l'impression. Il a un don pour changer la discussion. Ça change totalement. Tu veux que je te rappelle? Donc, écoute, je te rappelle, dès que j'ai fini, ce sera pas long. Comment vont les filles? Bien. Écoute, embrasse tout le monde. Je t'aime aussi. Ok, bisous. Ok, Ashley, c'est sa fille. Tu sais, je prendrais bien ma retraite ici. Mais ma femme, elle comprendrait jamais. Il y a quelques années, ma boîte a viré du monde et sous-traité mon boulot dans des temps perdus, quoi. Un peu comme celui-ci, en fait. Et boum, j'étais derrière un bureau. Moi, c'était horrible. J'ai été renvoyé à la maison. On m'a arrêté pour cause de stress. C'est mieux, là. Je m'étais au boulot, les gosses à l'école, et je restais sur mon canapé devant la boîte à con. C'est là que je l'ai vu. Docteur Phil. Vous recevez ça chez toi, Docteur Phil? Il est génial. Et là, il me dit, et je m'en souviens très bien parce que ça m'a marqué, il me dit que si je veux être heureux un jour, je dois trouver ma voix intérieure. Bam! Le gros flash. Et j'ai réalisé.
réalisé que je devais me concentrer sur mes talents. Et manque de pas pour toi, mes talents, c'est ça. C'est bon. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais être le meilleur possible. Si je dois suivre mon boulot à l'autre bout du monde, je vais le faire. Je me bouge le cul, je suis bien au besoin de ma famille. Chez moi, le putain de patron. Regarde-moi. C'est un beau sourire. Tu sais que c'est vrai quand je dis que je peux faire ça toute la journée. Alors, crache le morceau. Vas-y, mon grand. Vas-y. Comment tu connais AJ Gale? Respire. Fini? Ok, bon bah on continue. Donc donc son boulot c'est de torturer les gens. Donc voilà. Hop. Edgy Gale. Oh. Moi c'est Sabal. Je suis du Sentier d'Or. Un terroriste, enchanté de te connaître. Des alliés. Je connaissais ton père. On est venu te sauver, fils de Mohan. Et pour Darpan? C'est toi notre priorité. Faut qu'on arrive à te faire sortir d'ici, quel que soit le prix. Darpan comprendrait. Allez, viens avec moi. Je suis pas fils de... Paganan? Pagamin? Merde, on est repéré. D'abord, vite! Quand la porte s'ouvre, je veux que tu gardes la tête baissée et que tu fonces vers le camion. Cours aussi vite que tu peux. C'est compris? Ok, go, on y va. 1, 2, 3. Allez, go, go, go. Ah non. C'était pas mon tour. C'est parti. Ah si. Allez go, c'est mon tour. Waouh 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 waouh. Ah c'est le bordel hein. J'arrive vers. Allez hop. Ah ouais c'est bon. Oui amène-moi en lieu sûr. Oh l'éléphant. Oh. Ah c'est le bordel là-bas. L'autre il met la musique comme. Un putain de ralentissement. Non, c'est bon. Attends, c'est mort. Oh merde. Sur ta droite. Tue-les. Putain de merde. Attention! À droite! Waouh, 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 waouh! Accroche-toi! Ah! Ouch! Ça fait mal. AJ, si tu m'entends, réponds. AJ Gale, réponds s'il te plaît. Allô? Merci Kira, c'est ta balle. Où tu es? J'en sais rien. Putain, le chauffeur est mort. Ok, écoute-moi bien. Cherche autour de toi. Tu devrais voir une tour dans les environs. Je veux que tu ailles jusque-là. J'arrive pour la sécuriser. Je vais vers la tour. Ok. Ok, elle est où? Tu peux le faire, AJ. Ok, on l'a trouvé. Ok, donc on y va. Ah non, on va se laisser là pour ce premier épisode de Far Cry. Waouh, waouh, il y a des méchants. Donc j'espère que vous l'aurez aimé autant que moi. Donc on se retrouve pour l'épisode 2. Allez, bye tout le monde. Okay.